السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اذا نتمم تمارين صفحه 31 كومبيتونس مات برومير اني كوليج اذا هذا الفيديو هو الفيديو الثالث من هذه السلسله أه... تسمحوا لي ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو بزاف حتى ملي كنطول الفيديو ما كتبغيش تحط لي في اليوتيوب دونك قسمت لكم هذا التمارين <applause> على ثلاثه ثلاثه د الفيديوهات Donc, on va la partie 1, 1, partie 2, partie 3. On va voir ça un peu Alors, on était arrêté dans l'exercice 20. Alors, dans la cuisine, Aïcha récupère trois restes de lait euh, dans trois verres deux heures, heures différents. Elle voudrait savoir il si aura assez de lait pour faire 20 cripes. Son livre de cuisine... lui indique que pour 20 crêpes, elle aura besoin d'un litre de lait. À l'aide d'un calcul fractionnaire, à sa question. هنا التمرين أه عبارة عن مسألة يقول بأن عائشة جمعت trois restes de lait. ثلاث بقايا الحليب في كؤوس مختلفة إذا كؤوس ذو مختلفة وتريد أن تتأكد هل بإمكانها إعداد عشرون فطيرة كريب علما أن كتيب الموجود لديها في المطبخ يقول لها بأن لطبخ عشرون فطيرة تحتاج لتر من الحليب يقول لك هنا في التمرين بمساعدة على فراكسيونير بحساب بإنجاز حساب كسري عدد كسرية ساعد عائشة على إجابة على سؤالها إذا هل تستطيع أم لن تستطيع إذا ماذا سنفعل سنقوم بجمع ما تبقى لديها من الحليب إذا لا question la réponse pardon c'est comme suit donc oui عائشة aura assez de lait pour faire 20 crêpes pourquoi alors on va faire un tiers لا فضاء عندنا واحد على ثلاثة لتر زائد واحد على أربعة لتر زائد خمسة على اثنا عشر ولكن لدينا هنا خمسة فاصلة خمسة إذا خمسة ونصف فاصلة خمسة على اثنا عشر نقوم بجمع هذه الأعداد الكسرية alors on va faire la somme des euh, nombres fractionnaires 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 5,5 sur 12 alors on va réduire en même de dénominateur 12 alors on va multiplier 3 par 4 Et 1 par 4, et 4 par 3, et 1 euh, euh, pas, fois 3, alors 4 fois 3, 1 fois 3, plus 5,5 sur 12. Alors, égal à 4 sur 12, plus 3 sur 12, plus 5,5 sur 12, qui est égal, alors on va faire la somme de 4 plus 3 plus 5,5, on va obtenir 12,5 sur 12, qui est égal à 1,5 lettres. Alors Aïcha, il aura besoin de combien De 1 lettre, d'un lettre seulement. Alors ici, on a 1,5 lettres. Donc, Aïcha aura assez de lait pour faire 20 crêpes. Alors, on passe à l'exercice 21. Exercice 21. Euh, Noah a décidé d'équilibrer

Alors, déjeuner, goûter et dîner. Et c'est le petit déjeuner. Déterminer la fraction manquante sous forme irréductible. Et dernier, vois, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons fraction nous irréductible, nous avons dit, nous avons nous avons nous avons dit, 7 1 sur 8 plus 5 sur 12. Alors, on a 7 sur 24 plus 1 sur 8 plus 5 sur 12 égale. Alors, on va euh, réduire les dénominateurs par 24. Alors, 7 sur 24 plus, alors on va multiplier 8 par 3. Donc, égale à 24. 1 fois 3, c'est 3. Ici, on va multiplier 12 par 2. Alors, on va multiplier 12 fois 2, donc égal à 5 fois 2, c'est 10 sur 24, qui égal à. Alors, on va faire la somme de 7 plus 3 plus 10, ça nous donne 17 sur 24. Et d'un manière, combien le fois son il y a notre membre 1. Et 1, il y a 24. 24, il y a 1. Négatif 7 sur 24 nous donne 7 sur 24. Et bien, le résultat ici c'est 7 sur 24. Il est irréductible. Alors on passe à l'exercice 22 qui dit Déterminer l'inverse des nombres suivants. Addit makloub l'adadad taliya. Addit makloub l'adadad taliya. Alors l'inverse de 3 sur 5, il لدينا هنا البسط هو ثلاثة المقام هو خمسة إذا المقلوب سيكون العكس بسط هذا العدد <applause> سيرجع هو المقام العدد المقلوب ومقامه سيكون هو بسطه إذا ثلاثة على خمسة لانفرس ديالو هو خمسة على ثلاثة alors l'inverse de 7 sur 2 c'est 2 sur 7 l'inverse de 13 alors on a 13 sur 1 c'est 1 sur 13. L'inverse de 0,5 sur 1, c'est 1 sur 0,25. L'inverse de 1, c'est 1. Alors, parce qu'on a 1 sur 1, c'est 1. L'inverse de 6,6 sur 0,4, c'est 0,4 sur 6,6. L'inverse de 11 sur 7, c'est 7 sur 11. Alors, l'inverse de 2 sur 1, c'est 1 sur 2. أو on passe maintenant à l'exercice 23. l'exercice 23 نحسب الخارج ثم نبسط. إذا لدينا هنا قسمة الأعداد الكسرية. إذا لقسمة الأعداد الكسرية euh, العدد الكسري الأول قسمة العدد الكسري الثاني يساوي Alors la division de deux nombres fractionnaires, c'est le premier nombre multiplié par l'inverse du de deuxième. Alors on a ici 4 sur 13 divisé par 8, c'est 4 sur 13. Alors on va garder le premier nombre et on va le multiplier par l'inverse du de deuxième. Alors l'inverse de 8, c'est 1 sur 8. Puis on va effectuer la multiplication. Alors, 4 fois 1, c'est 4. 12 fois 8, c'est. 96. Alors on va euh, diviser par 4. On va simplifier par 4. Et on va obtenir 1 sur 24. 9 sur 14 divisé par 3 sur 7 égale à 9 sur 14 fois l'inverse de 3 sur 7, c'est 7 sur 3. Qui est égal à 9 fois 7, c'est 63. 14 fois 3 c'est 42. Qui est égal à 21 sur 14. Alors ici, on a simplifié par. 3. Alors, 9 sur 2 divisé par 18 sur 4 égale à 9 sur 2 fois l'inverse de 18 sur 4, c'est 4 sur 18, qui est égal à 9 fois 4, c'est 36. 2 fois 18, c'est 36. Alors 36 sur 36, c'est égal à 1. 4 divisé par 2 sur 3 égale à 4. Alors on va euh, garder le premier nombre, 4 sur 1, et on va le multiplier par l'inverse de deuxième, c'est 3 sur 2